Bon, salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau gameplay de Resident Evil Code Veronica sur la Dreamcast. Ici c'est Lumi et je me suis dit que, bon, voyons, jouons à ce jeu puisque la plupart m'ont demandé de le faire et je dédie le jeu à Samy qui me l'a recommandé vivement et qu'il aimait cette série de jeux. Donc, ça faisait longtemps que j'ai pas joué au jeu, c'était à l'époque de Dreamcast. Bon, commençons, disons. Un nouveau jeu, New Game. Voilà. Resident Evil. Ah là là, ça promet beaucoup de scènes de peur. Mais en même temps, ça me rappelle vraiment, vraiment l'époque dorée de la Dreamcast. Avec tous ces jeux. Je crois bien qu'on n'a pas besoin de celui-là parce qu'il est en anglais. Malheureusement, le jeu, il n'est jamais sorti en anglais. Il n'est pas disponible en français puisque c'était uniquement en anglais à la période de la Dreamcast. Il y avait un remake sur la PS2. C'était Resident Evil Code Veronica X et c'était le seul à être dispo en anglais et en français et une multilingue, soi-disant. Voyons voir qui est-ce. Tu veux que je te suive? Ah. Quel étrange gars. Perfect. Go on. Get out of here. This place is finished. I don't know, it might have been a special forces team. But in any case, this prison's been taken over. The troops have been wiped out. What are you saying? You're free to leave the complex. But you may as well know, you have no chance of getting off this island. And what about you? What are you going to do? Don't worry about me. Ah. Alors tu nous laisses partir. Bon, prenons cette herbe avant tout. Voyons voir. Ah, des balles de munitions ici. Mais regardez-moi ces détails. Vraiment, une boîte de munitions très détaillée, graphiquement. Bon, voyons voir, il n'y a rien ici. Sur table, non. Ah oui. Un couteau de combat. Pas mal. Parlons à cette personnage. Il est fatigué et blessé. Normal. Bon, on continue. Tiens, un ruban encreur par ici. Voilà, prenons-y. Avant de faire nos sauvegardes. Ah, tiens, une autre boîte de munitions. Voilà. Je crois bien qu'on fera notre premier sauvegarde ici. Voilà. Ça va. Ok. Premier sauvegarde, disque 1. Bon, sortons d'ici, comme l'autre nous a recommandé vivement de le faire. Je comprends bien que, à l'époque, quand j'aimais la Dreamcast, si vous voyez par ses graphismes, on comprend très bien pourquoi les gens étaient très charmés par la Dreamcast par rapport à la N64 et la PlayStation à l'époque, vu que c'était vraiment performant en graphisme et détaillé dans les jeux. Donc, c'était vraiment une console à part, mais malheureusement, ça n'a pas marché. Sega a fait faillite. C'était un mauvais planning. Oh, qu'il est beau gosse! Il est tout mignon. Viens ici. Je sais que t'es chaud. Tu as la flamme, c'est ça? Bon. Les zombies sont très détaillés. Vraiment, c'était... Il y en a beaucoup. Claire, c'est ton cauchemar. Bienvenue sur Resident Evil. Mais quoi pense-t-il Capcom à cette époque de mettre
des zombies tout nus. Ils se sont dit quoi, bon, le jeu est déjà effrayant, faites-en des retouches, mettez tous les zombies nus. Comme ça, ça va encore plus effrayer les gens. Ah mince, on est encerclé. Faut fuir. Prenons-y. Ah, laisse-moi tranquille. On sort. Voilà. Voyons voir. Un pistolet. Pardon. Don't shoot. Who are you? Huh? You're not a zombie. Well, great. Wait right there. I'm coming over. Bien sûr que je suis pas un zombie, idiot. T'as fumé quoi? Sorry about that little misunderstanding. But I thought you were another one of those monsters. Shut up. Make one wrong. Oh mon Dieu! C'est le frère de Justin Bieber. Relax, beautiful. I said I was sorry. My name's Steve. I was a prisoner on this island. T'as l'air d'une tête à claque, toi. And I'm guessing you're not from Umbrella either. No, I'm Claire. Claire Redfield. Claire? Nice. I'll remember that. Hey, I heard there's an airport around here. Once I find it, I can finally escape from this crazy island. I'll see ya. Hey, wait up! I don't want you following me, lady. You'll only slow me down. Tu parles. Il peut te foutre une raclée, elle. C'est une espèce de mal élevé. Mince alors. Maintenant nous avons un pistolet. Maintenant on peut nous défendre. Voyons voir. Hein. Retournons-y. Tout à l'heure j'ai vu Claire regarder par terre. Il y a quelque chose ici. Ah, j'avais raison. Des balles de munitions. Voyons voir. Prenons cette direction. Il n'y a rien. Bon, prenons cette porte. Ah non, pas par là. Accroche-pensée. Cette porte. Ben, comme vous savez, Resident Evil Code Veronica, ça se passe directement après Resident Evil 2 et 3. Nemesis. Après l'incident de Raccoon City. Si vous vous rappelez à la fin de Resident Evil 2, quand Claire dit que c'est juste que le début, ça voulait dire que pour elle, c'était pas fini. Elle voulait dire qu'elle doit chercher encore son frère. Donc, elle a fini par se retrouver ici. Oh là là, il y a beaucoup de zombies. Bon, on va pas s'en soucier. Voilà. Rechargeons. Non, rechargeons. J'ai pas encore l'habitude des contrôles. Donc, ah, regarde, il y a de la munition ici. Encore des balles. Ça fait toujours plaisir. Qu'est-ce qu'il y a ici? Une carte. Une carte de prison. Excellent. Voyons voir. Toilette, il n'y a rien. Prenons cette porte. Voilà. En tout cas, c'est une île ici. On dirait bien que c'est, comme m'a dit, c'est une prison. On ne sait pas comment elle a été ici, mais bon. Voilà. Moi j'ai pas besoin de lire tout ça. Bon. Je zappe. Mais qu'est-ce que ce bruit? Ah, il y a de la munition. Prenons-le. Oula! Mince! J'ai complètement oublié cette scène. Meurs, connard, meurs!
Mince, il y en a derrière moi. Ah, lâche-moi. Crève. Ok. Il y en a un par terre. Voilà. Ouf. C'en était une. Il y a des balles. Mais regarde-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a plein de sang. On dirait bien qu'un zombie a eu une diarrhée. Imaginez ça. Un zombie qui a une diarrhée. Ah, ma soeur. Qu'est-ce qu'il y a par ici? J'ai vu quelque chose. Ok. Une double mitraillette. Excellent. Ça, c'est une arme de puissance. Voyons. Je combine. Maintenant, on peut prendre la porte. Voyons voir. Il y a encore des zombies, mais je vais pas m'en soucier. Je vais sortir. Parce qu'on n'a plus rien à faire ici. Il y a une herbe que j'ai laissée à le petit étage où le zombie était. Mais pas de soucis. On n'en a pas besoin. Oula, j'aime pas cette sensation. Voyons voir. Pas ici. Mince, quelque chose l'a dévoré. Mais j'aime pas cette atmosphère. Ce que j'aime bien, c'est que sur Resident Evil a toujours su imposer son atmosphère. C'est-à-dire, même si tu n'as pas envie d'avoir peur, le jeu peut te donner des frissons. Bon. Fouillons pas ici. Oula, raté. Espèce de son cervelle. Puisque t'en as pas. C'est vrai, c'est juste que la vérité. Voyons voir. Apparemment, il nous demande de mettre tout ce qui est métallique dans ce petit placard. D'accord. Je vais mettre le briquet, les balles de pistolet, puis le pistolet, puis le couteau de combat. Et l'herbe, c'est pas métallique. Bon. Je vais quand même essayer de déposer. Voyons voir. Je dois y aller par ici. Ok, qu'est-ce qu'il y a par ici? Ah tiens, un spray. Voilà, récupéré. Quelque chose par ici. Ah, tiens. On dirait bien de la munition ici pour une certaine arme. Mais on n'en a pas pour le moment. Mais de toute façon, je suis preneur. Je prends tout avec moi. Allons-y. Voyons voir cette porte. Ok. Derrière, on dirait bien qu'il y a quelqu'un. Ok, on dirait bien un document, mais j'ai pas envie de lire. Mais quand même, jetons un petit coup d'œil. Ah. Bon, il n'y a rien d'intéressant. Chris Redfield. What are you doing here? Chris Redfield. Is he a relative of yours or something? You mean my brother? Ah, your siblings. Well, it seems your brother is under surveillance by Umbrella. What? I've got to contact Leon and tell him to let my brother know he's being monitored. It's a good thing I have access to an outside connection from here. Well, that file shows the latitude and longitude of this place. Why don't you send your brother the coordinates and ask him to come help? Thanks. I'll do that. Hey, I was just kidding. There's no way he can get here, even if he is your brother. Yes, he can. I'm sure of it. No way.
He won't come. You'll just end up disappointed if you rely on others. Believe me, I know. What was that all about? Mais quelle mouche l'a piqué celui-là? Bon, voyons voir dans ce qu'il y a ici. On trouve une médaille. Et autre chose, non. Et des rubans encreurs. Voilà. Il y a autre chose pas ici? Ah oui, on l'active. C'est coincé. On dirait qu'il y a une barricade derrière, mais bon. Je crois bien qu'il n'y a plus rien à faire. On doit sortir. Ah. Et si je me souviens bien, il y a un truc derrière qui était fermé électroniquement. Bon, allons-y. Mais avant tout, il y a un truc qu'on doit faire ici. C'est cette machine. Ouais, on va l'activer. Mais juste par curiosité, Umbrella utilise tous le même OS sur leur ordinateur. C'était le même que Resident Evil 2, si je me rappelle bien. Voilà, je vais mettre la médaille ici. Voilà. On dirait que la machine procède au traitement. Ah, je crois bien qu'il nous faut quelque chose ici. Ah, d'accord. Bon. Mettons nos objets ici. Pour qu'on puisse sortir. Pour le moment, on ne peut pas les emmener avec nous. Voilà, et le spray. On sort. Comme j'ai dit tout à l'heure, si je me souviens bien, il y a un endroit où on doit y aller. Voyons voir. Récupérons notre pistolet en premier, puis de la munition, puis après le briquet, et finalement la double mitraillette. Voilà. Maintenant, on est paré à sortir. Voilà, c'est par ici. Et on active. Ah, il y a des... Oula! Ils sont sortis. Attends, j'ai oublié de m'équiper avec le pistolet. Mince alors. Voilà. Ça devait leur faire exploser. Il y a un extincteur derrière. On le prend. Mince, mourez. Faut que je tue celui-là pour que je libère l'espace. Raté pour toi pour m'attraper. Désolé. Ah non, c'est l'autre côté. Mince. Des fois, je me perds. Il peut y avoir juste 5 minutes. Je suis passé par un endroit et je reviens et je me dis je suis jamais passé par ici. Mais bon, peut-être que ça a rapport avec mon état d'esprit. Bon, voyons voir, on doit retourner vers l'hélico. Et mince, il y a les chiens. Mince, il m'a foutu une citrouille. Allez, vas-y, 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 Claire. Cours, 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 cours. Voilà. Touchdown à l'américaine. Bon, allons-y par ici. On dirait bien qu'il y a un monstre. Oula, je vous ai pas vu. C'était des zombies en effet. Et voilà notre cauchemar. Voilà notre petit cauchemar. Je déteste cet endroit. Allez, marche pour que je puisse. Voilà, merci. Oh non.
Mince alors. Faut que je me soigne rapidement. Oula. Mince. Laissez-moi tranquille. Mince, ils sont increvables. Bon. Je vais pas hésiter à les tuer tous. C'est pas grave la munition. On va s'en soucier après. Voilà. Par terre. Couché. Voilà, maintenant la voie est libre. Je recharge mon pistolet au cas où. Et voilà. Voyez ici, et utilisons l'extincteur. Voilà. Prenons-y maintenant la mallette. Maintenant, on retourne derrière. Je voudrais bien faire une sauvegarde, mais j'ai pas de ruban encreur. Donc, on retourne vers le labo. Pour une fois, peut-être que j'aurais pas dû te sauvegarder tout à l'heure et garder le ruban encreur. Mais bon, ça fera pas de mal parce que c'est la même route qu'on doit procurer pour retourner. Et encore toujours les chiens. Mince. Je déteste les chiens. Il vient derrière moi. Oula, il y a le chien. Mince. Courons pour nous sauver la vie. Voilà. Heureusement qu'ils nous ont pas pu nous rattraper. Voilà, encore des zombies. Mais laissez-moi tranquille. Raté. Mince. Je suis à l'état danger. Oula. Faut que je fasse plus attention. Please deposit any metallic items you have in the security box. Voilà. On dépose le tout. Voilà. Je vais pas utiliser l'air pour le moment. Ah oui, mince. Alors j'ai oublié de déposer le débriquet. Mince. Voilà, on désactive. Oula. Ouais, je sais, ta gueule. On dépose le briquet. Maintenant la voie est libre. C'est bon. Il y a des zombies par la fenêtre. Ah, je vais prendre le spray. Utilisons-le. Maintenant, on est en bonne santé. Non. J'ai oublié. Faut y aller par ici. D'accord. Ah zut alors. J'ai oublié, j'ai pas de ruban encore. Bon, je retourne. Mince. Je suis passé à côté, j'ai même pas pensé à prendre. Ah, est-ce que la vie est dure. Bon, on prend le ruban. On retourne pour sauvegarder. Bon, de toute façon, ça sera pour la fin pour ce premier épisode. Quoi, déjà on comprend que dès le début le jeu prend déjà le tournant et ça promet beaucoup. Pour le moment je me rappelle je me rappelle de cette partie, mais bon,
Je vous revois après. Salut.